Attention, bordel! 20 ans sans maintenance, c'est un peu trop, même pour des structures militaires soviétiques. Regardez tous où vous mettez les pieds, et surtout toi, tiens. Tu m'imaginais exactement ça. C'est ce que je voulais acheter la chose. Il en est là, ça se dit. Mais comment tu pourrais savoir? C'est indiqué ici qu'il y a un système de filtration d'air en haut autour du plaza. Ces systèmes ont été conçus pour durer. Bonne chance que ça fonctionne encore. C'est pas bon. On a surestimé ces machines. Tous ces mécanismes doivent être réparés à la main.
Artyom, il y a un système d'allumage auxiliaire. Grimpe sur Sorboron. Je dirai ce que tu dois faire quand il sort. Je m'imaginais exactement ça. Ces objets dégagent quelque chose. Ils ont une âme soviétique. Mais comment tu pourrais savoir ? C'est indiqué ici qu'il y a un système de filtration d'air en haut en cas d'urgence. Ces systèmes ont été conçus pour durer. Il y a de bonnes chances que ça fonctionne encore. C'est pas bon! On a surestimé ces machines. Tous ces mécanismes doivent être réparés à la main. Artyom, il y a un système d'allumage auxiliaire. Grimpe sur Sorboron en haut. Je dirai ce que tu dois faire quand il sera. Artyom! Il devrait y avoir quatre moteurs d'allumage par là! Trouvez! Appuie sur le bouton à mon signal. Premier bouton. C'est comme dans les vieux films de Hollywood sur l'Union soviétique. Hé, hey, colonel, ça va? On a failli se planter! Parfait! Artyom, on bouge! Ça suffit de jouer avec l'équipement.
Allez. Heureusement qu'on doit pas tout redescendre. Y a un truc qui tourne pas rond là-bas. Holman, va à gauche. Professeur, à droite. Artyom, couvre-moi. Si les plans sont corrects, on doit passer par là. Mais comment on peut ouvrir cette porte? Une idée, Artyom? Et si... Holman, en route! Doucement. Allez.
Johan, tiens la porte. Vladimir, à toi de jouer, t'as besoin de quoi? Laissez-moi réfléchir. Instruction A124, page 3. Tableau DS22. Ah, voilà, c'est là. Superbe mémoire, Vladimir. J'ai toujours dit que l'armée était une bonne institution. Toute cette formation va enfin payer. Ça marche. Ça, c'est du matériel. Excellent. Premier, mort. Deuxième, HS. Troisième, quatrième. Cinquième, huitième, dixième. C'est pas possible! Ici, il y en a un ici. Je vais pouvoir obtenir toutes les infos. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qui s'est passé? Batterie de secours épuisée. Et le courant principal? Eh bien, on dirait que le réacteur est désactivé. Impossible de le démarrer d'ici. On doit le réactiver manuellement depuis l'étage le plus bas. D'après le schéma, ça a pas l'air compliqué. Presque tout est automatisé. Arrête de rire! Comment on peut descendre? Bon. Il y a un ascenseur au niveau juste en dessous. Mais il y a un léger problème. Pour le mettre en marche, on doit tout éteindre. Même l'éclairage d'urgence. Alors, si on n'a pas le choix, fais-le. Merci, Vlad. Reste ici et surveille les données. On traînera pas. Artyom, Ullman, suivez-moi.
merde. Je savais que ça allait pas être facile. Voici venus les enfants de l'Apocalypse. Ullman, changement de programme. Tu restes avec Vladimir, et tu défends sa position. S'il y a un problème, j'envoie Artyom. Bonne chance à nous tous. L'ascenseur est là, mais la porte est verrouillée. Très bien, on va devoir le contourner. Avance doucement, on se couvrira l'un l'autre. Ok, voilà l'ascenseur. J'espère qu'il fonctionne encore. Habitants du métro, nous avons attendu votre arrivée. Nous sommes ceux que l'on nomme les gardiens invisibles. Votre heure a sonné. Vous allez sentir notre courroux. Ullman, arrête tes conneries. Colonel, j'ai mis en route le haut-parleur. J'ai un signal sur le tableau gauche de ma console. Je vais l'activer. C'est parti. Les gardiens invisibles. Comment tu peux croire à ces conneries? Colonel, allez dans la salle du réacteur. Il y aura un réacteur principal au centre, à gauche de la salle des commandes. Un ascenseur descend au rez-de-chaussée. Là, vous devrez monter les escaliers. Activez le panneau avec le gros levier. Je vous dirai quoi faire ensuite. Oh mon Dieu. C'est quoi ce bordel? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vladimir, si seulement tu pouvais voir ça. Prépare-toi, Artyom. Ça va chauffer. Cette merde sur le sol est sûrement toxique. Et en plus, il y a du gaz. On tiendra pas longtemps ici.
Mais là, ça remporte la peine. Facile à dire qu'à faire. Je pensais pas que ce serait si compliqué. Alors, moteur de démarrage du réacteur, 1, 2, 3, 4. Ça a l'air simple. Un idiot pourrait l'utiliser. Enfin, voyons pour que ça marche. Tout va bien, colonel. C'est chargé à un quart. Mais il faut complètement recharger. Continuez. Merde. Bon, on pourra pas faire mieux. On y va. Suivant. C'est quoi ce bordel? Maintenant ce truc riposte? C'est de pire en pire! Système d'activation manuelle hydraulique. C'est pas vrai. Artyom, tu vas avoir du mal à croire ce que tu dois faire. Tu vois la grue sur le toit? Arrive jusqu'à la cabine. C'est un système d'activation de secours avec un mécanisme de capture qui va nous aider à extraire les barres. Essaie de t'y glisser pendant que je distrais notre ami. Allez, on y va. C'est maintenant ou jamais! Encore un petit peu.
zone de contact atteinte. Alerte, extraction de la barre en cours. 100%. Ciel et le soleil. On pourra revenir à la surface, au milieu des décombres, rebâtir les villes, et les tunnels du métro retrouveront leur gloire d'antan avec des trains rapides et argentés. Tout sera... Oui, tout. Tu m'emmerdes avec tes blagues, si t'avais vu ce qu'il y avait en bas. Ok, on se disperse pas. Avec Artyom, on va à Ostankino pour corriger la visée. Toi, tu restes ici et tu défends Vladimir. Je parierai pas sur nos chances de réussite, mais essaie de contacter nos gens et de demander des renforts près de la tour. Je resterai en contact. Les ordres sont clairs? Bien. Artyom, on y va. Bonne chance, les gars. Nous avions quitté le train, puis on avait grimpé le tunnel qui menait au théâtre Korolev. On était arrivé près de la tour Ostankino.
Là, au milieu des rues gelées, on avait rejoint les autres Rangers dans le combat féroce qui marquait le début de mon histoire. Content de vous voir, colonel. Vous avez entendu ça? Mais qu'est-ce qui se passe? Tous en cercle! Thank you.
invisible. Et on a un sale coup. Facile à dire qu'à faire. Bon, j'ai une idée. On n'a qu'à grimper sur le toit de l'ascenseur. On essaiera de déverrouiller les contrepoids de blocage.
proximité, monte! J'ai juste de repousser quelques démons. On continue de monter. Ah! À toi, Melnik. Artyom! Artyom, Melnik, à vous.
Artyom, le signal est parfait. Tiens bon, encore une minute et on les aura.
Si l'adversaire est hostile, tue-le. Si l'adversaire est hostile, tue-le. Procédure de lancement en cours. Artyom, les missiles sont en vol! Un homme sage a dit « Celui qui mènera une guerre pour l'amour de ses semblables vaincra ses ennemis. » J'avais mené ma guerre pour protéger ma famille, mes amis et mon foyer, le métro. On avait gagné. Mais aujourd'hui encore, je me demande, lorsque nous avons éliminé les sombres de la surface de la Terre, avons-nous aussi perdu quelque chose ? Thank you.
revoir.